Je vous parlais de l'Afrique. Oui, de l'Afrique. L'Afrique dans 25 ans. 2045. Dans 25 ans, ma fille, ma princesse Yacine, avec ma chère épouse, en 2045, Yacine aura 30 ans. Et je crois en cette Afrique où Yacine, à l'image des autres Africains, disposera de son passeport unique. Ce passeport unique qui va leur permettre de faire le tour de ces 54 États africains, sans pourtant être obligés de faire de grands détours. Je crois en cette Afrique dans 25 ans. Cette Afrique qui disposera de sa monnaie unique. Savez-vous que, présentement, nous avons presque autant de monnaie que de pays. Je crois en cette Afrique. En 2045. Cette Afrique qui va réussir la reconstitution de nos belles forêts. Ces belles forêts jadis, si elles sont reconstituées, pourraient être notre rempart face aux menaces des changements climatiques. Rendons grâce à Wangari Maathai, prix Nobel de la paix en 2004, et qui a réussi à planter plus de 30 millions d'arbres en 16 années. Qui parmi nous dans cette salle a planté 10 arbres? Nous avons donc l'obligation morale de continuer l'œuvre majestueuse de la femme des arbres, comme on l'appelait affectueusement. Je crois en cette Afrique dans 25 ans. Cette Afrique qui va réussir à converger toutes ses forces vives pour lutter, stopper et anéantir le terrorisme et toutes sortes ou bien toutes formes d'extrémisme. Hélas, nous avons assisté impuissants à la destruction de la Libye, à l'instant d'une insécurité totale dans le Sahara, à l'occupation d'une bonne partie de la République sœur de Mali, aussi et surtout aux multiples massacres de Boko Haram au Nigeria et au Cameroun. Yacine et ses camarades africains ne doivent pas surtout hériter de cette Afrique des malheurs. Alors, vous qui avez de riches carnets d'adresse, vous qui avez la voix haute qui transcende dans les profondeurs de l'Afrique, parlez, agissez. Dites à nos chers dirigeants qu'il est encore possible de nous faire parvenir à cette Afrique merveilleuse. Je préfère laisser à Yacine une Afrique prospère, harmonieuse et paisible. Africa.